La présentation s'appelle Comment sauver 400 000 dollars ou euros par an, parce que c'est un petit peu le but qu'on s'est fixé. Et avec les calculs qui ont été effectués, c'est ce qu'on espère à peu près économiser. Donc rapidement un petit tour par rapport à ma boîte, donc c'est une application web, on l'a faite en 2014, on a un petit peu près 45 à l'intérieur, et en gros ce qu'on fait c'est on permet à des gens qui font de l'internet marketing de créer des vêtements sur notre plateforme. Ils font la promotion pour ces vêtements là sur Facebook, etc., etc. Donc il y a beaucoup de données qui sont poussées, là on en est à 450 terabits. J'ai parlé du slide d'après, mais c'est pas grave. Donc, alors, au niveau des metrics, pour que vous voyez un petit peu l'évolution dans le temps, il y a 6 mois, on était à 25 tera, et on est passé à 474 tera, donc presque un demi péta. On a des API qui permettent aux gens de pusher beaucoup de produits d'un coup, qui génèrent, en fait. Les gens qui poussent des produits chez nous, ils ont tapé des scripts, c'est automatisé, du coup, ça engrange une quantité de données quand même extrêmement importante. Vous pouvez aussi voir au niveau du nombre de fichiers qu'on approche les 1 milliard de fichiers. Tout ça, c'est hébergé chez Amazon S3 avec du CloudFront. Donc, ça, c'est extrêmement cher. Hein. On arrive à des factures par mois qui sont de l'ordre de 40 000 à 50 000 euros. Donc, il y a un moment. Nous, on est sur du S3 et du CloudFront. C'est ce qu'on intègre. Donc il y a un moment, il y a une nuit en recevant la énième facture S3, je pense, ça doit être au moins la 12e ou la 13e, et que j'ai vu qu'elle montait proche des 50 000 euros. J'ai forward ça à Solvik pour lui dire que c'était plus trop possible, et je voulais savoir ce qu'il pouvait me proposer pour me sortir de là, parce que ça commençait à piquer un tout petit peu. Donc je vais vous laisser avec Solvik qui va vous expliquer un peu les aspects techniques, de savoir de comment est-ce qu'il me sort de ce mauvais pas. Bon, on va essayer parce que ça prend encore en production. Moi je viens d'online, j'ai passé 7 ans là-bas. Quand je m'ennuie le week-end, j'essaie de régler les problèmes d'Enzo. Ayant découvert OpenIO dans le cadre de mon job, je me suis dit que ça pouvait être un bon cas d'usage pour lui et puis qui était plutôt assez simple. Aujourd'hui, l'état du marché, c'est globalement qu'on se fait tous enfler par les fournisseurs de cloud. Il y en a quelques-uns qui essayent de tirer les prix vers le bas. Il y en a dans cette salle, on les remercie grandement. Ça permet à des sociétés de pouvoir économiser de l'argent pour l'investir ailleurs dans des choses un peu plus intelligentes. L'état du marché, c'est que tout le monde est aussi cher qu'Amazon. C'est pas en baissant les prix de 1 centime, trois chiffres après la virgule, qu'on va faire beaucoup d'économies. Les solutions on-premises, qu'on peut installer sur ses propres serveurs, comme ce que peut avoir Dailymotion dans les slides d'avant, ça coûte aussi très cher. Et il y a des solutions open source qui ne sont pas forcément adaptées à tous les usages, et en particulier pas à l'usage que Enzo en avait, de pousser plein de petits fichiers avec beaucoup de requêtes par seconde sur un cluster de stockage. Donc on va vous expliquer comment on a fait ce projet, comment on a déployé un peu tout ça, et surtout comment faire en sorte de pas faire redévelopper toute la brique de stockage, la brique d'envoi dans le cluster de stockage côté Tizili. On a pris un fournisseur de serveurs dédiés sur le marché. on a pris 40 serveurs comme un client, parce que Enzo est client d'Online. 40 serveurs à 80 euros par mois, ça fait 3200 euros par mois. On a 18 Tera par serveur, ce qui fait 720 Tera de stockage brut, et après les Azure Coding, 540 Tera net. Donc on a prévu déjà la possibilité d'encaisser une grosse montée en charge à venir, parce que vous avez vu les graphiques, c'est quand même assez gros. L'architecture, c'est quelque chose qui est très 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 simple. On a deux load balancers en front, et on déploie tous les services OpenIO sur toutes les machines. Chaque machine a sa gateway S3, son keystone pour l'authentification, les metadatas et tous les services internes à OpenIO. C'est réplicable à l'infini. Rajouter un serveur
c'est un claquement de doigts avec une touche entrée pour lancer le Puppet ou le Ansible. C'est globalement très très simple. Le CDN, ça coûte vachement cher et on s'est dit qu'on pouvait profiter de la bonne connectivité européenne de l'hébergeur en question pour faire des économies. Et dans les parties du monde où la connectivité est un peu moins bonne, potentiellement réutiliser un CDN et pouvoir contrôler les coûts. Parce que globalement, sur la slide d'avant, on voit que la partie CloudFront, c'est quand même une grosse partie des coûts. Donc on a pris deux petits serveurs avec du stockage SSD pour mettre en cache les fichiers récupérés sur le cluster de stockage localement et éviter de faire trop de requêtes sur le cluster de fichiers. Donc pour 1 gigabit de connexion par mois, on estime que ça fait 330 téra de trafic pour 100 euros. Et que globalement, quand on va voir des opérateurs, enfin des gens qui font du cloud, 330 téra de trafic, ça pique. Voilà. Donc ça, je pense que ça veut tout dire. Et que si on fait le total, avec l'offre de souscription d'OpenIO, le hosting par mois, bah, au lieu de passer de 50 000 euros, on est plutôt dans l'ordre de 5 000 euros par mois. Donc c'est bien beau, on a déployé un cluster de 450 Tera, mais de l'autre côté, il y a les 450 Tera de S3 qu'il faut migrer. Enzo n'a pas envie de passer plusieurs années à migrer ça. Et donc on a essayé d'automatiser au maximum en étant le plus fainéant possible, parce qu'on aime bien ça, on est des nerds. Donc on utilise Nginx, un serveur web, tout ce qui est de plus standard et très performant, qui va mettre en cache localement sur 400 gigs de hot cache sur le SSD tout ce qui renvoie des 200, donc tout ce qui existe sur le cluster de stockage. Et on utilise du Python, je vais vous montrer, pour récupérer ces données. Donc globalement, le Python, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va d'abord regarder si le fichier est déjà présent sur OpenIO. Si le fichier est déjà présent sur OpenIO, tant mieux, on le retourne. Si le fichier n'existe pas, on lance une migration en asynchrone et on fait un get sur le serveur S3 qui va ensuite être mis en cache sur le Nginx qui, a priori, va expirer au bout de 30 jours et on estime qu'en 30 jours, on aura peut-être réussi globalement à migrer l'image de 800 kilooctets sur OpenIO et qu'à la prochaine requête, on aura économisé le coût de trafic et le coût du get Amazon pour l'avoir gratuit, inclus, sur le cluster OpenIO. Donc globalement, Tizili, ça ressemble à ça. On peut uploader des designs, acheter des t-shirts, et chaque t-shirt, donc il y a le front, il y a le back, ça, il y a des images petites pour que ce soit rapide à afficher sur un site web, et les images plus grosses qui sont envoyées au fournisseur de Enzo pour une impression, on va dire, plus haute définition. Donc il y a quand même énormément de fichiers. Et pour chaque image affichée, globalement, ça va démarrer une migration du fichier vers le cluster OpenIO. Donc si on veut migrer un fichier, on a juste à faire un appel à notre CDN maison qui va migrer le fichier s'il n'est pas sur OpenIO et à la prochaine requête, ce sera déjà sur OpenIO. Donc globalement, on ne s'est pas trop emmerdé et on réussit à migrer plusieurs dizaines de terras par jour sans trop de grosse ingénierie. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des questions. Ouais. Comment tu sauras que tout est migré, que tu peux dropper complètement les requêtes de droit ? Alors, ça, Enzo, je vais préciser un truc. On est dans un design OpenIO où on n'a pas la possibilité de lister les fichiers sur le cluster OpenIO. Ça s'appelle... comment ? Le React Container. Les images, en fait, chaque fichier est enregistré dans une base de données, dans la base de données de Tizili, qui permet de pouvoir deviner l'URL justement après coup. Et on peut faire des gets, on peut récupérer tous les fichiers qu'il y a dans la base de données, faire des gets sur OpenIO et essayer de trouver ceux qui n'y sont pas encore. Donc tu as juste à itérer, ça prend un peu de temps, mais à la fin tu sais qu'est-ce qui peut te manquer. Et justement, s'il y a des images qui n'ont pas été affichées auparavant,
toi, tu vas aller les récupérer manuellement pour lancer cette fameuse migration. Ouais. C'est juste en S3, c'est l'imitation de l'API S3. Ouais, dans tous les cas, on peut utiliser l'API bas niveau, vu que de toute façon, c'est quelque chose qu'on va scripter maison. On peut utiliser les API standards de OpenIO et essayer d'aller plus vite sans rajouter les surcouches S3 qu'on connaît et qui ne sont pas forcément incroyables. Ouais. Non, alors pour l'instant, on le laisse sur S3. On se dit qu'on va réussir à tout migrer en moins d'un mois. Donc va y avoir une grosse facture de migration quand même, parce que on va payer le trafic quoi, globalement. Parce que le delay coûte très cher, et en fait supprimer un bucket entièrement ça coûte moins cher. Du coup on se dit on va tout migrer et ensuite on cliquera sur supprimer et on ouvrira la bouteille de champagne. Voilà. Aujourd'hui c'est un seul bucket S3, donc faut avouer que quand même ça marche pas trop mal. Il y a un truc qui est rigolo, c'est que certains des scripts de Enzo crachaient sur Amazon S3, et ils ont craché de la même façon sur OpenIO. Donc comme quoi, c'est aussi bien et aussi pas bien que S3. Au moins à la même hauteur. Du coup, on a une petite side bonus parce qu'il y a deux jours, Guillaume n'a pas beaucoup dormi. Et lors de la première tentative de mise en production, on a eu un gros outage qui a fait mal. Et globalement, on a tous un peu galéré à essayer de trouver la raison. Et le lendemain, vers 11h du matin, ils ont trouvé que le problème venait de systemd. Qui implémente la possibilité de limiter pour un process défini le nombre de process fees qui va pouvoir spawner. Et on a la possibilité de lever cette limite en mettant le paramètre infinity, qui, quand il ne marche pas, fallback sur la valeur par défaut de 512. Et comme les services de OpenIO spawnent à peu près 300 process au démarrage, il suffit qu'on rajoute un peu de charge et on va vite atteindre la limite de 512 et tout va s'écrouler. Et voilà, c'est con. Est-ce que je peux préciser? C'est que la version de systemd qui était en prod, c'était la 229, mais apparemment, c'est pas encore fixé. Voilà, exactement. Oui, bon. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Ouais. Est-ce qu'il y a un backup? Alors, un backup de quoi? Alors, les datas sont... Non. Ouais. Alors, il n'y a pas de backup, hormis le cache Nginx. Si le cluster tombe entièrement, ce qui n'est pas trop censé arriver, mais on ne sait jamais, dans tous les cas, il y a les reverse proxy Nginx qu'on cache en local. Donc au pire, les uploads ne fonctionnent pas, mettez une page de maintenance a priori, et au moins le fiche continue de s'afficher sans avoir des petites icônes, n'arrive pas à récupérer l'image. Quoi. Et à terme, je pense, si Enzo a les moyens pour ça, il fera du multi-vendor en termes de hosting, comme ça... Si le premier hébergeur a une coupure au réseau, ça basculera, c'est le deuxième hébergeur qui ne partage pas le même réseau et ça fonctionnera quand même. Pas d'autres questions? Si t'as les moyens de payer 50 000 euros par mois de S3, bon. C'est la step 1. Dans tous les cas, Enzo et moi, on a la soirée, donc autour d'une bière, vous pourrez venir nous poser des questions rigolotes. On vous racontera tous les autres bugs qu'on a eu avec OpenIO. Contre une bière,
Bon, bah, s'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Laurent ou Guillaume, parce que je pense que c'est les prochains qui parlent, pour clôturer la journée.